الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عبدا لا يعبد ورسول لا يكذب أرسله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mes honorables frères et sœurs en tant que croyants en tant que musulmans nous reconnaissons que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala le majestueux le miséricordieux par excellence a créé le bien et le mal a créé le jour et la nuit a créé le mâle et la femelle et de même nous croyons en tant que musulmans qu'il a créé le paradis et l'enfer Et Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, nous a comblés de certains bienfaits ici-bas qui ne sont pas comparables au paradis, bien sûr, mais qui sont là pour nous rappeler qu'il y a un paradis où les délices sont éternels, où les délices ne sont pas éphémères, contrairement aux délices qu'on peut rencontrer ici-bas. Allah jalla wa ala nous le rappelle à travers différents signes. Et parmi ces signes, c'est la création des cieux et de la terre et la beauté de la création divine de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala eh bien réserve ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus majestueux et ce qu'il y a ici de plus excellent pour ses serviteurs pas ici-bas mais dans le paradis dans le-delà et cela éternellement inshallah tabaraka wa ta'ala et nous ne vous échappe pas mes chers frères et sœurs que plus la chose plus l'endroit est beau et majestueux est appréciable et plus le fait de s'y rendre est difficile Et à titre d'exemple, notre voyage en Malaisie, sur ces îles dites paradisiaques, sur ces îles magnifiques, eh bien Allah Jalla wa Ala a caché ce bienfait, cette beauté, pour pas que cela soit accessible à tout le monde. Mais c'est à une partie des gens qui sont prêts à sacrifier de leur temps, à sacrifier de leur énergie, à se fatiguer, à voyager, à parcourir des milliers de kilomètres. Allah Jalla wa Ala donc a caché cette île. Et les autres lieux dits, bien sûr, entre guillemets, paradisiaques, aux yeux de tout le monde, afin qu'une partie des gens qui souhaitent et qui sont prêts à souffrir, à se sacrifier, puissent avoir accès à ces endroits-là. De même que le paradis est caché. Car tout ce qui est caché est difficile à y accéder,
est encore meilleur que ce qui est ici en accès libre entre guillemets. Allah Jalla wa Ala nous le rappelle quand il dit dans le Coran tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah il parle de ce qu'il a caché au paradis. Et pourquoi il l'a caché? Et pour qui il l'a caché? Et pour qui il l'a réservé? Allah Jalla wa Ala dit ils s'arrachent de leur lit pour adorer leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala la nuit, pour accomplir la prière lors de la nuit. Khawfan wa tama'a, par peur et espoir de la récompense divine bien sûr. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Aucune âme ne sait ce que Allah a caché pour elle. Jazaa'an bima kanu ya'malun, à titre de récompense pour ce qu'ils œuvraient. Les exégètes ont dit Dieu a réservé le paradis et il a caché le paradis et ce qu'il renferme comme délices pour ceux qui ont caché leurs œuvres et à titre d'exemple la prière pendant la nuit. Donc les endroits cachés sont bien sûr les meilleurs endroits, les endroits éloignés sont bien sûr les meilleurs endroits. Et bien que dire de cet endroit qui est le paradis? Tu ne peux accéder au paradis avec l'avion, ni avec le train, ni avec le bateau, mais avec ce moyen qui est taqwallahi tabaraka wa ta'ala, la crainte révérentielle. Et pourquoi pas, Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Saint-Coran « Tilkal jannatu allati nourithu min ibadina man kana taqiyya » Et voici le paradis, on en a fait hériter qui? Les pieux, ceux qui ont agi avec piété. Donc le paradis est pour qui mes chers frères et sœurs? Pour les pieux, ceux qui selon leur capacité et au mieux ont obéi à Allah tabaraka wa ta'ala et ont délaissé les actes de désobéissance. La preuve de cela en est encore ce verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit « Wasari'u » et accourez, hâtez-vous. Ne prenez pas votre temps, hâtez-vous, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Et accourez, hâtez-vous vers un paradis, un jardin qui est aussi large que les cieux et la terre, réservé pour les pieux. Mais qui sont les pieux? À titre d'exemple, Dieu nous dit qui sont ces pieux-là. Pour pouvoir accéder au paradis, faut être pieux. Mais comment être pieux? Et qu'est-ce que ça veut dire être pieux? On a dit de façon générale, c'est d'obéir à Allah et de ne pas lui désobéir, selon nos capacités. Et quand on rentre dans les détails, Dieu nous a donné des descriptions de la piété. Certaines caractéristiques des gens pieux, et il dit الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. Allah Jalla wa Ala dit, ce sont ceux qui dépensent dans la facilité et la difficulté, qu'ils refoulent leur rage, leur colère. Quand ils sont en colère, ils se retiennent. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ et qui pardonnent aux gens. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ et Allah Jalla wa Ala aime les bienfaisants. Allah nous rappelle encore dans le Coran qu'il est pour les pieux quand il dit إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا الْآيَاتِ. Il dit, eh bien la réussite, la grande récompense, le paradis est pour les pieux. Et ensuite dans sourate An-Naba, il décrit ce qui attend aux pieux. Et qu'Allah Jalla wa Ala fasse de nous des habitants du paradis. Amin. Mes chers frères et sœurs, qui sont ces pieux-là? Et pour qui est le paradis aussi? Écoutez bien, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Le prophète alayhi afdalus salati wa as-taslim a dit au paradis, savez-vous ce qu'il vous attend au paradis? Eh bien, il y a des chambres dont on verra l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Eh bien, imaginez-vous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, si on vous dit, eh bien, vous pouvez partir en vacances, et on vous met à disposition une chambre, et vous avez visibilité, vous avez accès à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Tout en gardant votre intimité, eh bien, vous pouvez voir un paysage qui fait partie des plus beaux paysages sur la surface de la terre. Eh bien, cela attirerait tout le monde. Eh bien, sachez qu'Allah Jalla wa Ala nous dit au paradis, il y a des chambres où il y aura la meilleure des visions, le paradis. De l'intérieur, tu verras l'extérieur, le paradis. Et de l'extérieur, tu verras l'intérieur sans que cela ne nuise en rien à ton intimité. Un bédouin s'est levé et a dit, ya Rasulallah, pour qui sont ces chambres au paradis? Et là, le prophète nous rappelle, pour qui est le paradis? Et il dit, alayhi salatu wassalam, pour toute personne qui aura proféré de belles et de bonnes paroles, qui aura parlé pour dire du bien, qui n'aura pas fait le riba ou le namima, la médisance et la calomnie, qui aura proféré de belles paroles, et qui aura nourri la famille et celui qui en a besoin, et qui aura prié la nuit alors que les gens dorment, et qui aura jeûné un jeûne ici de façon régulière, comme a dit alayhi salatu wassalam. Les gens entreront au paradis et seront accueillis. Comment ils seront accueillis, mes honorables frères et sœurs? Avec l'accueil des anges, qui diront salamun alaykum bima sabartum, que la paix soit sur vous pour ceux que vous avez patienté, en guise de récompense à toutes les épreuves
où vous avez fait preuve de patience. Salamun alaykum bima sabartum. Marhaban bikum. Bienvenue à vous au paradis, mes chers frères et sœurs. Si vous faisiez partie des habitants du paradis, vous ne goûterez qu'au repos. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand les gens rentreront au paradis, un crieur lancera un appel. Et il dira: oh vous gens du paradis, oh vous gens du paradis, aujourd'hui pour vous, eh bien, il n'y aura que jeunesse et plus de vieillesse. Pour vous aujourd'hui au paradis, la bonne santé et plus de maladies. Pour vous aux gens du paradis, la vie et il n'y a plus de mort. Pour vous aux gens du paradis, la jouissance et plus aucun d'entre vous ne sera misérable. Comme a dit alayhi salatu wassalam. Au paradis, qu'est-ce qu'il y a, mes chers frères et sœurs? Il y a des arbres. Et parmi ces arbres qui nous ont été décrits par celui qui ne parle pas poussé par sa passion, in huwa illa wahyu yuha, ce n'est qu'une une révélation émanant de son Seigneur. Eh bien, il nous dit, il y a au paradis un arbre sous lequel, ou bien qui est ombragé. Et ici, sous cet arbre, si un cavalier montait sur sa monture et ici courait avec sa monture, la monture se déplaçait à toute vitesse pendant 100 ans, eh bien, il ne parviendrait pas à sortir de l'ombre de cet arbre. Sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique qu'il n'y a aucun arbre au paradis dont le tronc n'est pas fait en or. Donc il y a des arbres dont les troncs sont faits en or. Et il y a des peignes aussi, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, afin de prendre soin de ses cheveux. Mais tous les peignes au paradis ne sont faits que d'or. Et ça n'a rien à voir avec l'or qu'on trouve ici-bas. Tout en sachant qu'au paradis, mes honorables frères et sœurs, eh bien sachez qu'il y a de la nourriture. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la personne, quand elle mangera, elle se nourrira. Eh bien, après cela, elle n'aura ni urine et ni, akramakumullah, excrément. Et quand la personne, elle suera au paradis, eh bien, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous a informé que la sueur sera faite de musc. Les compagnons se sont interrogés sur le paradis. Et comme cela est légitime, comme il peut être légitime qu'une personne nous dise: est-ce que je pourrais avoir tel type de voiture au paradis ? Ou tel type de moyen de transport au paradis? Eh bien, il est rapporté qu'un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon: ya Rasulallah, y a-t-il des chevaux au paradis? Et le hadith, il est jugé authentique, rapporté par l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui a dit: Si tu accèdes au paradis, eh bien tu auras une jument faite de rubis et de pierres précieuses, à qui il lui sera donné des ailes. Et elle t'emmènera et elle te déplacera où tu le désires. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura des chevaux au paradis faits d'or. Et rien d'étonnant et rien de difficile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et tout cela est très facile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le vendredi, il y aura un marché. Et chaque vendredi, les habitants du paradis se rendront à ce marché. Et se reconnaîtront les uns les autres. Et se parleront et discuteront. Et à chaque fois qu'ils se rendront dans ce marché, comme il est relaté dans Sahih, Allah Jalla wa Ala enverra un vent doux, eh bien, qui touchera leur corps et leur visage. Et lorsque les épouses de ces hommes-là, eh bien, les verront, eh bien, diront: oh, vous êtes encore plus charmants et encore plus beaux qu'auparavant. Car Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce vent doux, eh bien, il embellira ses créatures, ses serviteurs dans son vaste paradis. Au paradis, eh bien, les gens seront tous jeunes, âgés de 33 ans, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne vieilliront pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'ils auront l'apparence, où ils seront à l'image de leur père Adam alayhi salam, et ils mesureront ici une hauteur qui correspond approximativement à 30 mètres. Et certains auront bien sûr la beauté de Youssouf alayhi salam. Personne ne sera moche ou laid au paradis. Au paradis, les gens pourront se rencontrer, ils seront accoudés, allongés sur des divans, sur des lits. Et les lits se déplaceront pour se rendre visite les uns les autres sans se déplacer de son lit. Et à ce moment-là, les gens discuteront entre eux. Et dans un hadith, il est rapporté que certaines personnes, quand ils reconnaîtront leurs frères, diront: mais à quel moment Dieu nous a pardonné? Et l'autre se souviendra à quel moment Dieu l'a pardonné, lui a dit: Dieu t'a pardonné quand tu as fait telle invocation ici-bas, dans tel endroit, dans telle ville, dans tel pays. Et ainsi, ils discuteront et les gens se rappelleront que des bonnes choses au paradis. Et le paradis est rempli, ayyou al-akhyar, de bienfaits, jusqu'à ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Muslim: il y a au paradis ce qu'œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé.
Et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le dernier à entrer et accéder au paradis, c'est le dernier. Il n'y aura plus personne après lui, le dernier. Donc avant lui, les gens auront profité et encore profité. Les gens l'auront devancé dans les actions. C'est le dernier, mais avec cela, Dieu lui dira, ô mon serviteur, que veux-tu ? Et il demandera tout ce qu'il désire, tout ce que son âme désire. Il lui dira, demande encore. Et il demandera encore. Il lui dira, demande encore. Et il demandera jusqu'à ce que ses demandes se seront épuisées. Il n'aura plus d'imagination. Il aura eu tous ses désirs. Eh bien, Dieu lui dira, tu auras ce que tu as demandé et autant en plus. Tout ce que tu as demandé, tu l'as éternellement. Et moi, je te rajoute autant en plus. Voilà le paradis. Mais il faut savoir, ayyuhal akhyar, que non seulement au paradis, il y a tous ces délices, mais il y a aussi, comme Dieu l'a décrit dans le Coran al-Karim, des rivières et des fleuves. Des fleuves de quoi ? Des fleuves de miel purifié, des fleuves de lait et des fleuves de vin qui n'enivrent pas la personne. Et la personne pourra boire et s'abreuver. Et au paradis, il y aura des champs, comme a dit Hafiz Sahih. Il y a un fleuve qui fait toute la longueur du paradis. Et sur les côtés des fleuves, eh bien, il y aura des femmes eh bien, qui chanteront au paradis. Avec des chants dont personne n'aura entendu ce type de chant et des chants aussi beaux dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est le paradis. Mais plus beau que tout cela, mes chers frères et sœurs, il y a deux hadiths authentiques qui nous informent. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela ? Le premier est rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dira aux gens du paradis, aux gens du paradis, et ils diront, nous sommes à tes ordres et à tes services, ô notre Seigneur, et le bien est entre tes mains. Et Allah Jalla wa Ala dira à ses serviteurs, est-ce que vous voulez encore plus ? Et les serviteurs diront, ô notre Seigneur, comment aurions-nous plus alors que, ou voudrons, comment on voudrait plus alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne auparavant ? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dira, je vais vous donner plus que cela. À partir d'aujourd'hui, je ne me mettrai plus jamais en colère contre vous et vous avez ma pleine satisfaction. Et dans un autre récit prophétique rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit qu'Allah jalla wa ala s'adressera aux gens du paradis. Et il dira, ô gens du paradis, êtes-vous satisfaits ? Ils diront, ya Allah, n'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas épargné le feu de l'enfer ? Et Allah tabaraka wa ta'ala dira, je vais vous donner meilleur. Je vais vous donner plus. Allah va nous donner meilleur et plus. Qu'est-ce que ce meilleur et ce plus ? Allah jalla wa ala ôtera le voile qui nous empêche de voir le visage sublime de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et les habitants du paradis resteront, si on utilise l'expression connue aujourd'hui, bouche bée, et resteront devant notre Seigneur à le contempler. Et personne n'aura vu plus beau que le visage de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il n'y aura rien de plus cher auprès de nous que la vision de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala au paradis. Et ça, c'est réservé aux serviteurs d'Allah jalla wa ala qui ont craint notre Seigneur avec sincérité et conformité, avec piété, avec sagesse et avec une bonne compréhension. Allahumma ja'alna minhum. Et pour terminer, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, a dit, demandez Al-Firdaus. Quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui Al-Firdaus. Il dit alayhi salatu wassalam, Al-Firdaus, c'est le degré le plus haut du paradis. Il est au centre du paradis, dans son niveau le plus élevé, sous le trône du miséricordieux. Et de là jaillissent les fleuves du paradis. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé maintes fois de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accéder, de nous donner accès au paradis, particulièrement au degré le plus haut qui est Al-Firdaus. Et celui qui invoque Allah à trois reprises en lui disant, en lui demandant, ya Allah, accorde-nous le paradis parle, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et dit, ya Allah, accorde-lui le paradis. Et celui qui demande à trois reprises à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala de le préserver du feu de l'enfer, eh bien l'enfer dit, ya Allah, préserve-le du feu de l'enfer. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.